Petite modification, ouais. あれがね、巻く前にこの枯れてるやつを取ります。あ、メタジン。はい。Ouais, la méthode, elle est pas commune, on dirait. Il nous fait vraiment avancer petit à petit. Tu ligatures une branche, deux branches. Il vient, il met en forme. Et voilà, il t'explique en détail ce qu'il veut faire petit à petit. Donc tu découvres le travail que tu vas faire tout doucement. Et au final, tu arrives à un résultat qui est extraordinaire. Je m'attendais à vraiment quelque chose de traditionnel. C'est ce que je suis venu rechercher et je ne suis pas déçu. J'ai ramené un Junip, un Regida. Au début, c'était quatre flèches qui partaient dans tous les sens, un beau buisson. Et le résultat est plutôt très satisfaisant. C'est vrai. Ça donne un vrai arbre tradition japonaise pour moi. Tout est bien défini, tout est bien en place. Cet arbre, c'est un Moji. Ouais, ok. Énorme. Ouais. Et j'avais plus rien. Les deux branches, les départs de branches, j'avais plus rien. Et t'avais déjà beaucoup coupé ? J'ai déjà énormément coupé. C'est là. Ok. Non, c'est vrai qu'il est. Là, on sent arriver la forme et. Ouais. En fait, c'est vachement bien. Hein ? J'aime bien son approche. Ouais. J'imaginais un bel arbre, mais je pensais pas obtenir un résultat comme ça, aussi rapidement. Alors j'ai déjà coupé moi certaines branches qui pour moi gênaient la visibilité de l'arbre, la lecture de l'arbre. Je m'attendais ouais, à couper la dernière branche qui partait bien droit, et en fait, juste en la ligaturant, en l'inclinant un peu, voilà, ça a fait toute la différence.
je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Moi, je suis vraiment ravi, étonné. C'est très naturel. Ça se passe super bien. C'est quelqu'un qui est hyper à l'aise avec tout le monde et c'est vraiment très appréciable. Et le travail, il se pose, ça va vite et en même temps, c'est précis. Voilà, une très belle expérience. Enfin, pour ma part, je regarde beaucoup de vidéos du Japon. Le voir en réel, c'est autre chose, quoi. Il n'y a pas de montage, donc il peut placer une branche, continuer son travail et revenir sur une branche, deux, trois branches après, parce que ça ne correspond plus, quoi. Donc c'est très technique, ouais, c'est vraiment top. Il sait où il va, poum poum poum, et après c'est bon quoi. Ça pas tant sa vitesse d'exécution propre, c'est sa vitesse d'exécution, enfin dans sa tête quoi, son placement de réflexion, c'est hyper rapide. Et après oui, on voit qu'il a l'expérience pour la manipulation, mais ça on le retrouve chez d'autres en France. Mais ses idées de placement, son analyse de l'arbre, elle est. Une fois qu'on lui explique l'idée, on arrive à échanger et après ça roule quoi. その盆栽さんを作るのに、その、ま、大事なことは、その今日作るだけじゃなくて、それをこう続けること。まだ手入れを続ければ、ま、どんどん良くなっていくとは思います。 Stéphanie Costello.